Et là, tu zoomes? Oui. Ok. Tu peux, ouais, vous m'avez fait plein de séquences avec des angles différents. Je m'appelle Ludmila, j'ai 29 ans. Il y a 2 ans, j'ai appris que j'avais un cancer du sein. À l'époque, je me souviens, on avait plein de projets avec Jeff, mon copain. Vivre en Australie, se lancer dans la vie active, avoir des enfants. La vie devant nous, quoi. Mais tout s'est arrêté d'un coup. Enfin, pas exactement. Prête à vaincre le cancer. Ce cancer, j'ai décidé de ne pas lui donner trop d'importance. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai commencé à me filmer. C'était peut-être un moyen de garder de la distance avec lui. J'ai aussi créé une chaîne YouTube que j'ai appelée Mila Rose. Salut, donc comme j'ai terminé mes traitements de chimiothérapie, je peux vous parler un petit peu des effets secondaires que j'ai pu ressentir. Coucou Ludmila. Ouais, ça va et toi? Je me posais beaucoup de questions. J'ai cherché à rencontrer d'autres jeunes femmes touchées par la maladie. Salut Ludmila. Christelle, Maëva et Gwen. Échanger avec elles m'a donné de l'espoir, du réconfort. On se sent seule quand on a un cancer du sein aussi jeune. Seule, mais belle et bien vivante. I'm alive! C'est bonjour. Avant de commencer mon traitement, je me rappelle avoir écrit sur un calepin. Je suis une aventurière qui part à la conquête de terres inconnues, qui prend note de ce qu'elle vit pour décrire cette expérience et la partager avec les autres à la fin de son voyage. J'ai donc commencé à me filmer un mois avant la chimio, en allant chez le coiffeur. Je vais commencer par me faire une coupe carré court, pour m'habituer un petit peu à avoir les cheveux justement plus courts. Donc j'ai un petit peu le trac, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Puis d'un côté, j'ai aussi hâte de voir à quoi je vais ressembler avec cette nouvelle coupe de cheveux. Cette coupe marquait le début de mon combat. Je vous laisse vous allonger le temps de vous faire cuiser. Après, vous pourrez vous asseoir, aller aux toilettes. La première chimio, c'est l'inconnu. Ça va? Oui. Alors, ça fait quoi? Ça pense un petit peu. Ça peut paraître un peu bizarre, mais moi, j'ai voulu la filmer. Un peu comme un premier saut en parachute. Juste avant de commencer la chimio, donc elle est venue m'installer des gants froids, des gants non glacés, sur les mains et sur les pieds. Et donc ça permet d'éviter que le produit puisse arriver jusqu'aux ongles des mains et jusqu'aux ongles des pieds, parce que ça les fragilise apparemment pas mal. Donc je teste la méthode, on verra comment, si ça fonctionne bien ou pas. Et donc là, ce que je peux dire pour le moment, c'est que... J'ai pas de douleur, j'ai pas du tout senti le produit circuler dans mon corps, rien du tout. Une semaine après, j'ai commencé à perdre mes cheveux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de tout raser. Évidemment, le seul moment fort que je n'ai pas filmé, c'est lorsque j'ai appris que le petit kyste que j'avais senti dans mon sein était un cancer. Je m'attendais tellement pas à recevoir une nouvelle comme celle-ci. Je me suis sentie assez choquée et puis je me suis imaginé plein de choses. Parce que lorsqu'il m'a parlé de chimiothérapie, de radiothérapie, de traitement qui allait durer des mois, je me suis imaginée chauve. Je me suis dit mais à quoi est-ce que je vais ressembler à la fin des traitements? Moi, j'ai eu la chance que mon cancer soit diagnostiqué tôt, d'avoir pu rapidement être prise en charge. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ça y est, vous avez terminé? Allez, un petit dessert? Oui. Qu'est-ce que tu veux, Thaïs? Une compote. Une compote? Tristan, tu veux quoi? Christelle, c'est une des premières jeunes femmes avec qui j'ai échangé. Elle vit avec son mari et ses 2 enfants à Bordeaux. Le diagnostic de son cancer est tombé 2 ans après les premiers symptômes. Le médecin a ouvert la porte. Et là, il me dit,
J'ai eu vos résultats, j'ai pas une bonne nouvelle. Et là, je le regarde, je lui dis c'est quoi comme cancer alors? Enfin voilà, c'est. Il a pas eu besoin de dire le mot, moi je le savais. Et là, je sors de chez le médecin et en fait, j'ai le sourire. C'était yes, on me croit. Ce que j'ai là, ce que depuis mon sein qui coule depuis 2 ans et demi, cette rougeur sur le sein que j'ai depuis 2 mois, où on me dit que c'est pas grave, que faut pas que je m'inquiète, que je suis trop jeune pour que ce soit grave, j'ai 32 ans, que j'ai pas d'antécédents, que je viens d'accoucher, que je viens d'allaiter. Mais ça y est, en fait, on sait ce que j'ai. J'ai un cancer. Ouais, on va enfin pouvoir me soigner. Là, je monte dans ma voiture, je mets la musique à fond, je me mets à chanter, mais pour me libérer de ce poids, ça y est, je vais me faire soigner. Pourquoi certains médecins ne nous prennent pas plus au sérieux? J'ai posé la question à ma gynécologue. Les médecins qui répondent justement à ces jeunes femmes, non, vous êtes jeune ou non, vous êtes enceinte, donc il n'y a pas de souci. La plupart du temps, quand même, il faut le dire, c'est bénin, c'est un adénofibrome, c'est un abcès dû à l'allaitement, effectivement. Le cancer du sein, ça reste chez la femme de moins de 35 ans, ça reste 2% des cancers du sein, donc ça reste une exception. Alors, dans la psychologie aussi de la relation patient-médecin, c'est difficile, on n'a pas envie que ce soit grave, d'annoncer une mauvaise nouvelle. On ne veut pas y croire, la femme enceinte, on ne veut pas y croire, et donc d'abord, on va dire que ça n'est rien, mais derrière, il faut évidemment faire quand même s'en assurer et faire quand même le diagnostic. C'est vrai que c'est pas normal d'avoir un cancer à nos âges. Maëva avait 22 ans quand elle a appris sa maladie. 22 ans. La première fois où j'ai senti la boule, j'étais en maillot de bain. C'était l'été, j'étais chez ma sœur à une piscine, du coup il faisait relativement beau. Et j'étais allongée sur le canapé. Je passais ma main et j'ai senti une boule qui était relativement grosse vers le sternum dans la poitrine. Et du coup, le premier truc que j'ai dit, c'est que je dis à mes sœurs « Ah, regardez, j'ai un cancer du sein et tout », je leur ai dit en rigolant. Mes sœurs, elles sont médecins, toutes les deux, donc la plus grande, elle est généraliste et l'autre, elle est biologiste. Je pense que directement, je t'ai dit « Bah non ». Ouais, tu m'as dit « T'es con, ça peut pas être ça ». J'ai peut-être pas dit « T'es con », mais j'y croyais pas trop, quoi. Même pas du tout. Ça te faisait mal en plus. Ouais, quand je courais. Non, moi, ça me faisait pas penser à quelque chose d'embêtant quand ça fait mal. Ouais. Habituellement, c'est pas à ça qu'on pense. J'y repensais souvent et que je me suis dit, tu lui as dit non, c'est pas un cancer. Ouais. Donc ça. Oui. Ça fait cogiter après. C'est une phrase que j'ai repensée beaucoup, qui a été dure à digérer pour moi. Je pense que c'est aussi mon cerveau de sœur qui disait « Bah non, c'est pas ça. » Le cerveau de docteur, normalement, il est bon quand il est docteur parce qu'il n'a pas le filtre émotionnel. Alors que là, enfin, entre nous, il y a un beau filtre bien épais d'amour et d'émotion qui fait que c'est quand même plus dur de savoir. Enfin, ce qui... Bah oui, au niveau émotionnel, ça prend complètement le pas. Moi aussi. Il y a une complète dissociation entre mon corps et mon esprit. Mon corps est resté là, je me revois assise sur la chaise avec le médecin en face, son bureau, tout ça. Il m'a dit, vu que vous êtes jeune et vu le type de cancer que c'est, vous allez avoir chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie. Je connaissais pas tout en détail, mais je savais globalement à quelle sauce j'allais être mangée en termes de traitement.
J'ai mon beau-frère qui m'a pris sous un bras et Guillaume, mon compagnon, sous l'autre bras. On a marché tant bien que mal jusqu'à la forêt. Et là, on s'est assis sur un petit rondin de bois. Et j'ai mon beau-frère à côté qui a crié un grand coup. Et il m'a dit « Voilà, c'est comme ça qu'on évacue et tout. » Et du coup, je me suis dit « Ah, bah, je vais essayer. » Et au final, on a tous les trois crié dans la forêt. Et puis, après avoir pleuré et crié dans la forêt, on était un peu mieux. On a réussi à rentrer chez ma sœur. Et puis, avec Guillaume, on a été se coucher et on s'est endormi. Hop, c'est parti. Gwen a 29 ans comme moi. Elle est au tout début de sa maladie. Quand je l'ai rencontrée, j'avais terminé mes traitements lourds. Elle venait d'apprendre son cancer. Alors pour la soutenir, je lui ai envoyé un colis avec mes franges et mes foulards. Je crois que j'ai encore moins de cils qu'hier. Je suis allée aux urgences gynécologiques près de chez moi. Et là, j'ai vu un premier médecin qui m'a dit « ça doit être qu'un fibrome, c'est pas grave, mais je vais quand même demander à ma collègue ». Donc là, j'ai vu une deuxième personne qui m'a dit qu'à mon âge, ça pouvait être que ça de toute façon, qu'un fibrome, qu'il fallait pas se déplacer pour ça, et que je prenais la place des gens qui avaient de vraies urgences. Et ils m'ont dit « si ça vous inquiète, allez faire une écho, mais nous, ça nous inquiète pas ». J'ai fait la biopsie au mois de décembre, où on m'a dit que c'était voilà, un cancer du sein. Je pense qu'on a tous eu cette réaction de « pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors qu'au final, ben, c'est juste un coup de pas de chance. J'étais en colère contre le monde entier, j'étais en colère contre mon corps d'avoir développé ce truc-là. J'étais pas de tristesse, juste fâchée contre la vie, ouais. Je me suis dit, je vais vivre dans le déni. Je vais garder mon cancer. Je voulais pas du tout me faire soigner parce que pour moi, c'était inconcevable de perdre les cheveux, de perdre les sourcils. C'était inconcevable de me faire injecter des produits qui sont aussi bons que nocifs en fait pour la santé, quoi. Et en fait, quand mon entourage m'a dit « mais tu peux pas nous faire ça, tu peux pas être égoïste à ce point et ne pas vouloir te soigner, enfin, on fait quoi nous après ?» La chirurgienne m'a dit « vous vous rendez pas compte que ce que vous avez, c'est une belle saloperie. C'est pas un truc qui va se soigner avec une tisane au pissenlit. » Salut toi. Là, il me reste une cure de chimio. Par la suite, je vais avoir la chirurgie. Et ils vont m'enlever au moins un ou deux ganglions. À la suite de ça, j'aurai les rayons. Et puis, on verra bien. Bonjour. Avant d'être concernée, je ne savais pas que le cancer pouvait toucher les jeunes femmes. Personne n'en parle. Même à la Ligue contre le cancer, où je suis souvent allée pendant mes soins, aucune communication à ce sujet. Qu'est-ce que la Ligue fait en matière de prévention, action de prévention, pour sensibiliser les jeunes au cancer du sein ? Quand on fait de la communication, si on met des photos d'une très jolie jeune femme avec une belle poitrine, etc., qui a 30 ans, ça ne correspond pas. Ce n'est pas cohérent avec le message général qui doit être porté. Parce qu'il n'y a actuellement pas encore assez de femmes qui font le dépistage à partir de l'âge où c'est particulièrement indiqué. Donc, si je comprends bien, pour informer la plus grande partie des femmes, on en oublie les plus jeunes. C'est fou quand même. Heureusement, il y en a d'autres qui prennent notre destin à bras-le-corps. J'ai découvert qu'à Bordeaux, une association vient en aide aux jeunes ayant un cancer du sein. Et c'est Christelle qui en est à l'origine, avec une amie rencontrée à l'hôpital. À la fin de mes traitements,
Un jour, l'infirmière me dit « Christelle, on a une jeune femme qui vient d'arriver dans le service. Elle a le même âge que vous. On vient de diagnostiquer un cancer du sein juste après avoir accouché de son deuxième enfant, comme vous. » L'infirmière a dit « Christelle, je vous présente Mélanie. Mélanie, je vous présente Christelle. » Et elle nous a laissé. Et là, ça a été un véritable coup de foudre amical. Vas-y, mets ton agenda. Et là, avec Mélanie, on s'est dit, on va faire quelque chose pour les jeunes femmes. En 2017, l'association Jeunes et Roses est née. Pour pas avoir de pépins dans tes citrons. Pour pas avoir de pépins dans tes citrons. Et pour nous, c'est aussi une belle revanche sur notre maladie. 444 membres sympathisants. On a passé les 2000 likes sur Instagram tout à l'heure. Youhou! Jeunes et Roses, moi j'y adhérais tout de suite. Ce week-end-là, elles m'ont invitée à participer à une manifestation artistique. C'est parti! Yes! Allez, oui. On est parti! Allez! Allez! Hop. Alors, on est parti, les filles! Faire un moulage de ses seins pour interpeller le monde entier. J'adore! Et moi, je dois reconstruire ma reconstruction, là. Ah oui? Ouais. Moi, je me suis retrouvée parfois à aller, chez le médecin. Tu vois, il te fait un truc, et qu'est-ce que tu fais? T'enlèves ton t-shirt. Mais pourquoi vous enlevez votre t-shirt? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ah, ben, c'est juste une question d'habitude. Maintenant, j'enlève mon t-shirt à chaque fois que je vais chez le médecin, parce que c'est toujours un problème au niveau du sein. Donc... Alors, je vais lisser les premières bandes. Il faut vraiment que je lisse tout, puisque c'est l'empreinte. Donc, ne sois pas surprise. Okay. En fait, c'était la place d'un sein qui circule, en fait. Vraiment trois poitrines différentes, quoi. Même. Oui, c'est ça. Christelle, elle a eu une mastectomie. Moi, j'ai qu'un sein. Lunila, elle a eu un sonectomie sur le côté droit. J'ai un sein légèrement plus petit que l'autre. Et moi, j'ai eu une mastectomie aussi, mais avec la reconstruction. Donc, j'ai une prothèse là, à gauche, et aussi une prothèse à droite. Et là, c'est ce qui est super, je trouve. Mais je trouve que c'est même en tant que femme. Même sans cancer, quoi. Je trouve que mouler sa poitrine, ça, c'est quand même un symbole, quoi. Une petite élastique. Moi, j'avais pas mis. On bouge. Ouais. On danse. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'avoue. On se croirait sur les îles. C'est extra comme ça, d'écoute. Oui, c'est marrant de voir sa poitrine comme ça. Je vais te montrer des images de l'expo de l'année dernière. Dans les moulages de plâtre, on coule du plâtre plein. Mm-hmm. Ça fait plein de petits seins blancs qui sont ensuite décorés. Et à la fin, t'as 10 mètres de nichons de toute forme et toute taille. Et les nôtres, ce qu'on a fait là aujourd'hui... Ils seront sur les nouveaux panneaux 2021. D'accord. Tu te tâtes. Tu te tâtes et tu te mates pour pas avoir de pépins dans tes citrons. C'est pas évident de partager ce que l'on ressent quand on est touché par un cancer. On associe souvent cette maladie à la mort. J'avais pas peur de mourir, mais j'avais peur que mes enfants y grandissent sans maman. C'est vraiment quelque chose qui peut-être qui m'a donné de la force aussi. Le diagnostic du cancer, ça a fait naître des angoisses de mort qui sont quand même relativement grosses et importantes que je pensais pas avoir à mon âge. C'est très désagréable parce qu'on se sent déjà condamné en fait. On a l'impression que les gens se disent « bon bah t'es malade, ça veut dire que tu vas mourir bientôt ». Alors que non, je suis en train de me soigner et moi à aucun moment de ma vie je me suis dit « je vais mourir ». Il y a zéro fois, je me suis dit, c'est la fin. En fait, je pense que les traitements m'ont permis de ne pas y penser. Quand on rentre dans le protocole de soins, on est comme aspiré dans un tourbillon. Il n'y a plus que ça qui compte. Je vais vous donner des compresses pour les oreilles. Accepter les traitements et lutter contre leurs effets secondaires. Heureusement, il existe plein d'astuces différentes pour pouvoir continuer de se sentir jolie pendant les traitements de chimiothérapie. Parce que notre apparence physique change beaucoup. Et personnellement, même si je m'amusais à porter différentes perruques, j'avais parfois l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité. Ce n'était plus vraiment moi, celle que je voyais dans le miroir, sans cheveux, cils, ni sourcils. Heureusement, il y avait des astuces de maquillage qui m'ont aidée à entretenir ma féminité. Coucou. Coucou. Ça
Avec Jeff, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. C'est bien ta journée ? Ça va ? Oui, et toi ? Ouais, nickel. Cool. Au moment où il a appris que j'avais un cancer, il venait de décrocher un super doctorat en Australie. Il a accepté d'y renoncer pour être à mes côtés. J'ai souvent eu peur qu'il regrette son choix. Par rapport aux cheveux, j'ai eu peur que ce soit toi qui te sente plus féminine ou plus toi-même et que tu déprimes par rapport à ça. Mais finalement, non. Hein. C'est allé, tu t'amuses avec tes perruques, avec ton maquillage. Au début, c'était pas trop ça. Mais... Et après... t'as commencé à te maquiller bien, ouais. À faire des vrais sourcils. Mais ouais, les premiers étaient durs. Tes tout premiers traitements, on pouvait rien faire parce que les 3 jours après, t'étais KO. Et ça, c'était que le début. Parce qu'après, j'ai découvert une quantité d'effets secondaires au fil de mes 15 séances de chimio. Je sentais que la fatigue venait en moi et j'avais juste besoin de dormir, de m'allonger. Et je pouvais dormir pendant des journées entières sans problème. J'avais une perte de l'appétit, donc dans les heures qui suivaient l'injection, je sentais que je ne pouvais plus rien avaler. Et ça durait environ une journée, voire 2 jours. Après, j'avais aussi des sensations de nausées et des vomissements. Pendant la nuit, j'avais aussi quelques sensations de sécheresse, donc notamment au niveau des yeux. J'avais l'impression d'avoir les yeux hyper secs et ma gorge très sèche aussi. Donc là, j'avais besoin de boire pour pouvoir me réhydrater. C'est pas facile pour les proches, car on est forcément égoïste quand on se soigne de son cancer. Cette épreuve, Jeff la vit avec moi. Ce n'est pas que mon combat, c'est notre combat. Par rapport à Guillaume, c'était une grande question. J'ai eu le diagnostic en janvier 2020. Donc du coup, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble. Je me suis dit, bah, de toute façon, il va me quitter. Hein, parce que ça fait pas non plus des 1000 et des 100 qu'on est ensemble. Je vais plus avoir de sourcils, je vais plus avoir de cheveux. Je vais ressembler à rien. J'aurais pas pu faire vraiment tous les traitements sans lui. Il m'a donné à manger, il m'a lavé, il me faisait des injections, les piqûres. J'avais jamais fait de crise d'angoisse avant, donc il a appris à gérer ça lui aussi. Maintenant, quand on en parle, on en rigole. On se dit que si jamais on se marie un jour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et on se dit qu'on aura peut-être déjà fait le pire. Dans ma tête, c'était moi, je suis un garçon manqué. J'avais pas l'impression, en tout cas, d'être attachée à ma poitrine ou à tout ce qui était ce côté un peu girly, féminin. Et puis, en fait, du coup, quand on m'a dit c'est un cancer du sein, d'un coup, je me suis dit, je l'aime bien, ma poitrine. J'ai quand même pas trop envie qu'on me l'enlève. Les cheveux, c'était vraiment ma plus grande inquiétude, je sais pas, mais ouais, vis-à-vis des chimios, parce que c'était le marqueur extérieur du cancer. Je voulais me sentir fille et féminine, hein, même en ayant les cheveux courts. Ça, c'est facile, fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, oui, pas impossible, se taire un peu, surtout pas. Devant, j'ai envie, derrière, j'ai peur. Devant, je souris, derrière, je pleure. Devant, je suis forte, derrière, à demi-morte. Devant, tout va bien, derrière, je ne suis plus rien. Devant, maquillée, derrière, défigurée. Devant, bien coiffée, derrière, le crâne rasé. Cet autre qui est en vie, que maintenant je chéris, cet autre, elle est bien là, ce n'est autre que moi. Du sein triple négatif, c'est un cancer résistant aux traitements hormonaux, en gros. Donc voilà, il faut une chimiothérapie un petit peu plus sévère et dans certains cas, le triple négatif est aussi résistant à la chimio.
malgré le fait que je sois pas en couple, je suis pas toute seule. J'ai beaucoup de monde qui vient à la maison. Quand j'avais besoin, j'avais toujours quelqu'un. J'ai toujours été épaulée depuis le début, que ce soit par ma famille ou par mes amis. Après, je suis comme tout le monde, je suis humaine. Il y a des fois où je me suis dit, ça aurait été cool d'avoir quelqu'un qui m'attendait à la maison le soir pour me rassurer, pour prendre soin de moi. Mais c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai eu l'idée de me créer une page Instagram qui serait un peu comme mon exutoire, mon journal intime public. Ça m'a permis d'échanger avec beaucoup de personnes sur des ressentis, sur des vécus, sur des conseils. Mais c'est des filles avec qui j'échange et que je comprends et qui me comprennent. Parce que la plupart des gens, même vous les premiers, vous m'avez dit « ouais, j'imagine, mais je peux pas comprendre ». Voilà. Ouais, forcément, mes craintes et mes appréhensions par rapport à ça, j'en parle pas beaucoup, parce que j'en ai pas énormément non plus. Mais il y a des trucs tout bêtes, genre... La dernière fois, première fois de ma vie, je fais ma vaisselle. Enfin, ça, c'est pas la première fois, mais je fais ma vaisselle. Et là, pour la... On a vu que t'avais... Pour la première fois de ma vie, je me mets à saigner du nez. Mais j'ai jamais saigné du nez, je sais pas ce que c'est. Du coup, j'ai envoyé un message à une fille en lui disant « c'est normal, oh oui, t'inquiète pas, le Taxol, c'est normal. En fait, ça t'assèche, donc forcément, tu saignes du nez et tout. » Ah d'accord, c'est bon, je retourne faire ma vaisselle. Il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée aussi quand tu nous l'as annoncé. Tu m'as dit « j'ai le triple négatif, machin et tout », je fais « ok, c'est quoi ?» Et tu m'as expliqué, mais clairement, pour moi, un cancer, c'est un cancer. Et là, tu m'as expliqué qu'il y avait plein de types, et ça... Ça a été vraiment une découverte. On manque d'informations, on manque de prévention. Tout le monde se voit à la face. Et quand toi, tu me l'as annoncé, je me suis dit, retour à la vie réelle, mec, ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, au bout d'un moment, arrête de suivre les trucs marrants, arrête d'essayer de vivre ta vie en mode ma vie, c'est la meilleure. Ta vie sera pas longue ligne droite. Finalement, arrête de se mettre d'embûche. Ça arrive tellement vite que. Justement, pourquoi ne pas faire de ce truc-là un truc marrant? Tu vois? Non, je suis d'accord, mais non, parce que après, si tu veux, on peut rigoler, mais est-ce que non, mais ce que je veux te dire, c'est que est-ce que sur mon Insta, je m'apitoie, est-ce que je suis toujours en train de, enfin, tu sais comment je suis, j'en rigole, ça reste un sujet grave, un sujet important, mais faut dédiaboliser aussi le truc. Tu le dis. Bonjour, je me prénomme Augustine. Putain, je ressemble à Jacouille la fripouille. Ouais, ça va pas rentrer. Essaye. Quelle est cette sorcellerie? La boîte à troubadours. Je reste moi, je veux pas qu'on change de comportement, je veux pas qu'on change de façon de me parler, de voir les choses. On m'a dit, maintenant je sais que t'es malade, je te ferai plus de blagues, je t'embêterai plus. Ouais, en fait, on t'a parqué un peu. Là, j'espère de pas avoir fait ça. Hein. Non. Non, jamais. Non, du coup, ça me fait douter. Même pas ça, c'est tu te dis à son âge. Oui, mais même moi, je vous avais dit, ça va être rien du tout. Tu veux couper les cheveux comme maman? Non. Non? On les laisse pousser? Oui. Ah, ça frise. Moi, ça voilà, frise. Avant de partir en chimio, il fallait que je m'organise pour déposer mon fils à l'école, que je m'organise pour déposer ma petite chez la nounou. Et puis, quand je rentrais à la maison, que vous rentrez complètement malade de la chimio, je suis vraiment très fatiguée, il faut que je donne le bain, il faut que je donne le biberon. Et vous vous sentez... déjà, vous arrivez... Parfois, vous n'arrivez pas à vous lever, quoi. C'était compliqué. Voilà. C'est la pyramide pour trouver le trésor. C'est bon. Moi, j'ai eu une mastectomie, donc on m'a... En fait, c'est une ablation du sein, ou on peut dire tout simplement une amputation. Quand j'ai demandé au médecin combien de temps il fallait que j'attende pour me faire reconstruire, avant la mastectomie, et qui m'a dit il faut attendre au moins 2 ans, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais moi, je veux pas vivre sans sein, quoi, c'est pas possible. À 30 ans, moi, ce que j'aime, c'est être féminine, c'est porter des décolletés, c'est. C'est être jolie. Et là, je me dis, mais vivre sans un sein, c'est. C'était inenvisageable. Moi, je n'ai pas eu de mastectomie comme Christelle. Mon opération, c'était juste pour retirer la tumeur.
Aujourd'hui, je suis en rémission. Je n'ai plus de cellules cancéreuses. Mais ce parcours du combattant n'est pas encore terminé. Tous les soirs, pendant encore 4 ans, je prends un traitement hormonal sous forme de cachet. Je me dis qu'il est là pour me protéger, m'aider à mettre toutes les chances de mon côté pour éviter une récidive et ne plus jamais revivre ce que j'ai vécu. À la fin du mois de juillet, il y avait eu des douleurs. Oui. C'est revenu, ces douleurs ? Tous les 6 mois, je dois avoir ma gynéco. J'essaye donc d'y aller le plus sereinement possible, mais j'avoue que la veille, je stresse un peu. Ça peut être ça, mais j'ai une petite douleur en dessous du sein. D'accord. De ce côté-là, quand je m'en suis rendu compte en prenant ma douche, en levant le bras. Voilà, je sais pas, il n'y a pas de boule, il n'y a rien, mais c'est un peu douloureux. Et de temps en temps, je sens que ça me tire un peu, mais ça repart. Donc je pense que c'est la cicatrisation qui se fait, peut-être encore, ça prend du temps. Oui. D'accord. Il y a un petit porte-manteau là, si vous voulez. Ok, ça marche. Très aigu. Ouais, voilà, c'était vraiment là, très précisément. Bon, après, ceci dit, quand vous appuyez un peu là, ça, au niveau où ça a été opéré, ça fait une douleur un peu similaire. Ouais. Écoutez, moi, je ne suis pas inquiète du tout par l'examen. Hein, okay. Tout va bien. D'accord. Et voilà, s'il y a quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à revenir, à nous en parler. Ouais. Mais non, pas de souci aujourd'hui. D'accord. Ça marche. C'est bon, tout va bien pour cette fois. Mais j'en ai encore pour 10 ans. C'est à la fois rassurant d'être suivi par un médecin et flippant de se rappeler que le cancer pourrait revenir. Pendant le cancer, vu que j'avais du temps, je me disais, je vais faire quelques trucs. Et puis Guillaume n'est pas un très grand cuisinier. Et je me disais que pour tout ce qu'il faisait pour moi, à s'occuper de moi pour les chimios, bah, je pouvais lui rendre en lui faisant des petits gâteaux ou des trucs qu'il avait envie. Donc entre mes chimios, quand j'allais mieux, je lui faisais des gaufres, des brioches, et puis je les mettais au congèle. Comme ça, du coup, quand il avait un coup de mou et que moi je dormais pendant les chimios et tout, il savait qu'au congèle, il y avait toujours une petite gaufre fait maison à décongeler. C'est une bonne nouvelle, ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Qu'on est beau. Prête pour la dernière? Ça fait bizarre. Je sais pas si je dois rire ou si je dois pleurer. Partager entre les deux émotions? Ouais. C'est la dernière fois qu'on va piquer mon petit truc. Mon petit patch. Quand on est dans le traitement, on est dans l'action, donc on ne s'en rend pas bien compte de tout ce qui se passe. Ça va très vite et en même temps, c'est long, parce que ça fait quand même un an et demi, mais c'est presque maintenant que ça va être un peu plus dur dans les effets secondaires, parce que l'hormonothérapie, parce que... C'est un retour à la vie normale, active, normal, petit à petit, mais avec tout en ayant des effets secondaires. Tout en ayant plein d'impossibilités et plein de choses qui sont pas possibles de faire ou d'avoir à des âges où on peut commencer à y penser. On peut pas avoir de bébé. Oui, déjà. On pourra en avoir après. Quand tout sera vraiment terminé. Et toi, t'auras 100 ans. Ouais, t'auras 100 ans. Maëva prend le même traitement hormonal que moi. Pendant 5 ans, nous ne devons pas tomber enceinte. C'est trop risqué pour le fœtus. La chimio peut aussi rendre stérile. Maëva et moi avons eu la chance de pouvoir préserver nos ovocytes avant de commencer les traitements. Ça me rassure de savoir que quelque part, dans une chambre froide, j'ai une réserve d'ovocytes qui dort tranquillement et que je pourrais les utiliser si j'ai du mal à avoir des enfants un jour. Viens là. Allez, avance. Viens, mon grand. Je ne me suis jamais vue avec des enfants. Je me suis dit, c'est pas pour moi, j'ai pas le truc. Et en fait, dès l'instant où on m'a dit que... Bah, j'aurais peut-être pas le choix, que j'aurais peut-être pas d'enfant. Je me suis dit, on peut pas me retirer le choix, en fait. C'est pas possible. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je veux pas passer à côté de ça, donc
Ouais, je pense que je veux des enfants. Au moins un. J'ai fait une préservation d'ovocytes. À savoir que pour que ça puisse fonctionner, dans l'idéal, il en faut plein. Une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine. J'en ai un qui est actuellement cryogénisé. Il y a intérêt à ce que ce soit un guerrier, celui-là, parce que sinon, on est mal. Avec Jeff, on a appris à relativiser. À présent, on se dit que ça nous laisse plus de temps pour réaliser nos rêves professionnels et voyager à deux. Et puis la vie reprend. Comment mes cheveux allaient repousser? Est-ce qu'ils seraient comme avant? Plus bouclés, plus raides, de la même couleur? Et finalement, j'étais si heureuse lorsque mes premiers cheveux sont apparus sur mon crâne que je n'ai plus prêté attention à toutes ces questions. J'avais des cheveux et c'était le principal. Niveau médical, c'est loin d'être terminé. En France, on propose aux jeunes de faire des tests génétiques pour connaître l'origine du cancer. S'il est génétique, mes sœurs et ma mère pourraient-elles aussi développer cette maladie? Quant à moi, on me recommandera de me faire enlever les deux seins à titre préventif. En tous les cas, j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'hôpital Gustave Roussy avec un spécialiste. Bonjour. Bonjour madame, docteur Caron. Enchantée. Je vous en prie. Merci beaucoup. Par ici. C'est pas une situation hyper agréable d'être un peu comme ça en sursis, sans trop savoir et se dire on attend. Voilà, on aimerait bien au bout d'un moment être fixé, se dire bon, bah. Ouais, mais le message, c'est qu'il est très probable que vous ne soyez jamais fixé. Je comprends. Quand on a déjà eu un cancer du sein, qu'on ne peut pas dire, tant qu'on y est, on enlève tout et on sera tranquille, on n'entendra plus jamais parler de cancer. C'est malheureusement pas vrai. On a le risque de ce qu'on va appeler la récidive. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une cellule du cancer qui se met dans un coin, ailleurs, résiste à tous les traitements, soit tranquille pendant un moment, puis finalement se met à repousser. Mmh. Ça, c'est la suite de la même maladie. Mmh. Et puis, il y a le risque de nouveau cancer du sein. Ça, c'est le fait qu'il y ait une cellule normale du sein qui, à son tour, se met à proliférer, oui, sans même savoir que quelques centimètres à côté, il y avait déjà eu un cancer, oui, du sein. Et quand on enlève complètement les seins, on ne joue que sur le risque de nouveau cancer du sein. Oui. Et pas du tout sur le risque de récidive. D'accord. Avoir eu un cancer ne diminue pas son risque. Mmh. Ça ne vaccine pas. Mmh. Donc si on avait un certain risque, quel qu'il soit, on a un cancer du sein, bah, une fois qu'on l'a eu, mmh, il est soit le même, soit augmenté. Mmh. Mais il n'est jamais diminué. D'accord. Je pensais sortir de ce rendez-vous rassuré. C'est loin d'être le cas. Oui, oui, oui. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Bientôt. Et puis le cancer, il ne pourrit pas que notre santé. On était mariés, on avait deux enfants. Là, on voulait acheter une maison. Enfin, c'était la suite logique des choses. La veille de mon diagnostic, on a reçu une proposition de prêt super intéressante. Et le lendemain, le jeudi, on m'a annoncé que j'avais un cancer. Donc, de toute façon, il n'y avait rien de signé. Donc, avoir le prêt, c'était juste plus possible. Mais c'est difficile, en fait, parce que il y a la maladie, il y a la peur, et il y a les projets qui s'arrêtent. Je ne savais pas qu'un diagnostic médical pouvait avoir de si lourdes conséquences. J'ai voulu en faire moi-même l'expérience. J'ai pris rendez-vous avec plusieurs banquiers pour leur demander un prêt. Effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire, les assureurs sont plutôt difficiles et compliqués quand on a eu des soucis de santé. Ça risque de ne pas être simple. Je ne suis pas très optimiste sur une acceptation sans exclusion, sans surprime, voire un refus d'assurer. Si vraiment aucun assureur accepte, oui, de couvrir nos finances, la direction en fait, ne souhaite pas accompagner dans les projets s'il n'y a pas d'assurance. D'accord. Pour justement éviter que la dette revienne à vos proches, quoi.
Est-ce que c'est des cas que vous avez déjà eu Alors moi, j'ai déjà eu une personne qui s'est faite ouverte le cœur. Ouais. Elle a été du coup en commission. Ça ouais. a été refusé. Elle a été voir un autre assureur. Mm-hmm. Ça a été refusé et à un moment, elle a menti à un autre assureur et comme ça, elle a été assurée. Elle a fait le prêt. Eh bien, merci les banques et les assurances. Depuis 2016, il existe une convention qui permet de faciliter l'accès au crédit pour les personnes malades. Elle est signée par les pouvoirs publics, banques et assurances. Ça peut paraître un progrès, mais elle intègre un droit à l'oubli. En réalité, il faut surtout être patient. Difficile d'emprunter à taux normal pendant une longue période. Pour moi, c'est 10 ans, alors que les médecins disent que dans 5 ans, je serai guérie. Alors pourquoi est-ce si long ? C'est la connaissance de la maladie et de la connaissance de l'évolution de la maladie. Il faut bien comprendre que le médecin a un dialogue singulier avec sa personne. Et dans cette relation, le médecin voit la personne. Et dans ce cas particulier, il lui dit « Je considère que vous êtes guéri parce que j'ai tout un tas de signes qui me font dire que c'est bon, vous êtes guéri. » Dans le cadre de l'assurance, on assure un groupe de personnes. D'accord. Et donc, du coup, on doit tenir compte de cet ensemble de personnes et de toute la diversité qu'il y a dans ce groupe de personnes. Est-ce que, éventuellement, dans les années à venir, on pourrait envisager de réduire ce droit à l'oubli et... La question de réduire le droit à l'oubli est une question qui est permanente. Il y a différents projets qui avancent et il y a des études qui sont faites pour justement voir si l'on peut et dans quel cadre on peut réduire ce droit à l'oubli. Les assureurs ont imaginé une grille de référence avec des règles très strictes qui nous mettent dans des cases. Moi, si ma tumeur avait fait moins de 20 mm, ce n'est pas 10 ans de droit à l'oubli, mais 7 ans. Ça tient à peu de choses. J'avais rendez-vous ce matin avec l'oncologue. Les traitements à l'hôpital s'arrêtent dans 2 jours. Je me suis dit, ça y est, bah c'est bon, elle va me dire que demain, il faut que je retourne au travail. Mais ça m'a fait super peur. Je me suis dit, non, je me sens pas du tout capable. Je pense qu'au tout début des traitements, j'attendais juste ce moment d'être à la fin des traitements. Et maintenant que j'y suis, bah du coup, j'ai pas envie de retourner au début non plus parce que c'était pas la meilleure période de ma vie. Mais ça fait presque, ouais, j'ai presque pas envie que ça s'arrête parce que... Faut se reconstruire, ça change plein de choses. Donc du coup, je suis encore sous antidépresseur. Je sais pas trop vers quoi je vais, on va dire. C'est plus, l'avenir est plus flou que quand on m'a fait le diagnostic, presque. Je me sens pas forcément capable, en tant que kiné, de retourner voir les patients. Je sais pas. Une expérience qu'elle partage avec Guillaume, son fiancé. Lui aussi kiné. Yo! T'as vu notre nouvelle sonnette? Oui, elle est très belle. Ouais. On a mangé chez Joubert. On a mangé Joubert. C'était bon? Oui. Et j'ai pris un sandwich où il y avait dedans des artichauts. T'aurais bien aimé, mais par contre, il y a des crevettes. Ah non, j'aurais pas aimé du coup. Bah non. Comment ça s'est passé avec l'oncologue? Ça s'est bien passé. Elle a prolongé l'arrêt. Ouais. Jusqu'à ce que je revoie la chirurgienne. Ouais. Donc jusqu'au 26 septembre, c'est dans longtemps. Ouais. Ah oui ! Ça t'a rassuré ? Oui. Parce qu'elle a senti que j'étais angoissée à l'idée de refaire des journées comme avant. Quand tu pars à 7h, tu reviens à 19h, je faisais pareil. Mais là, on fait ça déjà sur une journée de vacances et fin de journée, ouais, c'est déjà compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu ne sens pas encore prête à refaire ça ? Non. Mais non, je pense que... Et puis c'est pour ça que ça me fait peur aussi de reprendre, parce que je me dis que si je me retrouve face à des patients comme ça qui me déchargent leur détresse, enfin pas leur détresse, mais qui me disent un peu enfin vous comprenez, j'ai un cancer, ou je sais pas, ou même d'être confronté à bah non, mais enfin, ou vous comprenez pas ma douleur, ou quoi, que les gens pensent que je sois pas à l'écoute, ou que moi j'arrive pas à être à leur écoute, alors que je me suis sentie pas écoutée en tant que patiente des fois, pas tout le temps, mais que je suis peut-être pas prête non plus à remplir mon bol avec les problèmes, avec les problèmes des autres. Ouais. Tu sais que de toute façon t'es plus la même personne qu'avant.
parce que justement, t'as vécu ça. Tu prends une grande claque dans ta phase, donc tu mûris plus vite sur certaines choses. T'es plus sensible à certains sujets. J'ai l'impression d'être vraiment une grande personne maintenant, d'avoir vécu des choses d'adulte et de devoir faire face comme une adulte. C'est sûr que c'est pas maintenant que je vais chercher à faire une rencontre. On se reconnaît tellement pas soi-même, on a tellement de modifications corporelles présentes et peut-être futures par rapport aux opérations, choses comme ça, que moi, c'est une chose à laquelle je pense pas parce que je veux d'abord être bien avec moi-même avant de pouvoir être bien avec quelqu'un. Ah ouais, ça c'est cool. Je peux pas dire que j'ai une rage de vivre de fou malade, mais je veux vivre, ouais. Je veux vivre ma vie, je me dis j'ai encore des choses à vivre et voilà, ça va pas s'arrêter là. Et je serai là encore longtemps, je vous le dis. Non. Du coup... On prend quoi? Des tomates cerises? Alors, il y a des tomates cerises dans le frigo, il y a des rillettes, du fromage, on va faire des wraps, des petits sandwichs. Okay. J'ai préparé un taboulé aussi. Ah, dans super, la boîte, c'est là. La boîte, là? Ouais. Il y a des petites tartes à temps pour le dessert, il y a les cannelés, des compotes pour les enfants. Où c'est que je les ai mis? Je les ai sortis, en plus. Vous pouvez pas toujours vous habiller comme vous voulez parce que là, même si là aujourd'hui je porte une prothèse que je glisse dans mon soutien-gorge, selon comment vous habillez, on voit que là c'est plat. Allez les enfants, on est parti. On y va. Allez, c'est parti pour le pique-nique. Aujourd'hui je m'accepte bien en fait comme Allez, je suis. Je suis féminine d'une autre façon. Je me maquille peut-être plus, je vais porter plus de bijoux, j'ai peut-être plus souvent chez le coiffeur. Allez, on recommence. Ne jamais lâcher. Après, j'aimerais la faire, mais la reconstruction, mais c'est... Ah, je me dis, il faut encore retourner se faire opérer. Et voilà, moi, j'ai envie de vivre tellement de choses que j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps pour la reconstruction. Donc, je la ferai peut-être un jour, mais je vis en Amazon et je l'accepte. Au début de l'été, j'ai retrouvé Christelle et d'autres jeunes femmes à Bordeaux lors d'un événement que donnait l'association Jeunes et Roses. J'ai pu rencontrer certaines d'entre elles avec qui j'avais beaucoup échangé sur Insta. C'était super de se voir en vrai. Mais ils ont repoussé, bon, pas autant bouclé quand même que Ludmilla. Tu vois, ces petites bouclettes, c'est ta prochaine étape. On n'a pas eu bac plus 5 en cancéro. Oui, là, ça s'est fait, effectivement, comme tu dis. Ah oui, et c'est rasé en même temps que toi. Oh. Vous êtes allée dans un salon ou vous l'avez fait chez toi? Non, on l'a fait chez moi, vraiment. Ok. Moi, je me suis découvert une passion pour les grosses boucles d'oreilles. Et toi, c'est la passion pour les perruques, en fait. C'est exactement ça. Allez, hop, ok, j'ai pas de cheveux. Ouais. Je me sens belle et jolie. Tu me vois la première fois dans la glace chaude, et après, peut-être active ton mode survivor et t'es là, mais vas-y, ouais. Pas de problème. Ouais. Mais ouais, c'est quand même plus sympa de se voir en vrai de vrai que derrière les écrans ou... C'est sûr. Hein, ouais. Sérieux. Ouais. Sandra qui vient juste de terminer. Ludmilla qui a terminé il y a un peu moins d'un an. Il y a un an. Mélanie et Christelle aussi. Du coup, c'est chouette aussi. Je vais fêter mes 6 ans de rémission. Ah, yes. Vous savez pourquoi on va souffler les bougies, les enfants? Non. Parce que c'est les 4 ans de Jeunes et Roses. Attention, on pétard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jeunes et Roses, joyeux anniversaire.
Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attention, c'est chaud. Vous êtes vaccinés? Yes. C'est bon, on est là. 1, 2, 3, tchou. Ah, bah, super. Ah, la mécune. Avant les traitements, j'avais écrit sur un calepin. Je suis une aventurière qui part à la conquête de terres inconnues, qui prend note de ce qu'elle vit pour décrire cette expérience et la partager avec les autres à la fin de son voyage. Aujourd'hui, cette page se tourne et je savoure le plaisir d'être en vie.